Salut, salut, j'espère que ça va bien. Hélène Savoie, directrice de l'équipe Top Newbie. Donc, aujourd'hui, je te présente une application qui a réellement changé ma vie pour le mieux. Donc, c'est parti, on regarde ça ensemble. L'application dont je vais te présenter aujourd'hui s'appelle Trello. Donc, c'est un site web que tu peux aller sur l'ordinateur, comme je suis présentement, pour t'ouvrir un compte gratuit où tu peux télécharger l'application sur ton cellulaire, sur ta tablette. Puis ce qui est le fun, c'est que ça va se relier ensemble. Donc, que tu travailles sur ton cell une fois de temps en temps ou sur ton ordi, les deux sont reliés. C'est vraiment, vraiment wow. Moi, là, vraiment, je suis très technologique côté entreprise. Puis, je trouve que cette façon-là de travailler avec Trello, vous allez voir que pour bien des choses dans notre entreprise virtuelle, c'est très, très pratique. Donc, Trello, c'est quoi? C'est tout simplement un organisateur de tableaux. Créer des tableaux, un espace de travail. Donc, pour ma part, moi, j'ai mon tableau Tupperware Hélène. Puis, j'ai aussi accès à d'autres tableaux, dont le Tupperware Isa, parce que j'ai une assistante qui s'appelle Isabelle, qui m'aide pour tout ce qui est reconnaissance et présence de notre équipe. Donc, on partage le tableau ensemble. Donc, je peux vous montrer ici, avant de continuer, par contre, inquiétez-vous pas, Trello, c'est gratuit. Je le répète encore, on peut avoir un 10 tableaux gratuits. Donc, ici, vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, il me reste encore de la place pour 4 tableaux. Fait que je ne suis même pas inquiète, puis c'est vraiment, vraiment plaisant de travailler avec ça. Donc, le tableau des présences, comment on fait ça? C'est qu'à toutes les fois qu'on a des présences, quelque part, là, il est mis à jour du jeudi au mercredi. Je vais marquer, quand c'est moi qui prends les présences, je vais marquer les noms des gens. Quand c'est Isabelle qui va à ma place parce que je suis occupée ailleurs, on marque les noms. Fait que comme ça, on fait les reconnaissances de cette façon-là. Pour ce qui est de ma section agenda, donc là, tu vas rentrer vraiment dans ma vie à moi, comment je gère mon agenda, de choses à faire. Ce n'est pas mon agenda rempli de tous mes rendez-vous parce que ça, je te montre juste vite, vite. Moi, je la fais sur Google Agenda. Donc, c'est ici que j'ai toutes mes réunions Zoom, mes rencontres, puis c'est relié avec celle-là de mon conjoint, Martin. Parce que Martin a 12 enfants, moi j'ai beaucoup d'affaires les soirs, donc lui il est pompier volontaire, il est gérant d'une entreprise. Donc pour s'assurer que nos horaires concordent, on utilise Google Agenda, je l'ai sur mon cell, il l'a sur son cell, on ne se casse pas la tête à voir, OK Martin, es-tu disponible ce soir? Non, OK, ça me prend une gardienne, etc. Bon. Mais là, dans mon Trello, qu'est-ce que je fais dans la section agenda? C'est que je mets toutes les tâches que j'ai à faire. Puis, on a des tâches en tant que directrice qui ne bougent pas. Donc, la première, ça tombe bien. Dès demain, je m'en vais à Montréal. Donc, je m'ai même mis ma liste de valises de Montréal. Mais planif de la semaine, une section vraiment importante, il faut se planifier. Donc, moi, là, j'ai des choses à faire pour me planifier et j'ai même des notes de prix là-dessus pour m'assurer que j'oublie rien. Fait que vous voyez, là, on peut même mettre des images. J'ai même joint mon horaire de tâche de directrice qui ne change jamais. L'horaire inébranlable, elle est là. Fait que c'est avec cet horaire-là que je vais aller chaque vendredi, mettons demain. Demain, on est ici. Pour la semaine 5, le vendredi. Fait que je vais aller voir mes tâches, je vais tout aller planifier ça pour la semaine pour m'assurer que ça concorde avec mon horaire, où est-ce que je place mes tâches, etc. Ensuite de ça, je ne me pose pas de questions, je fais mes actions. Donc, je peux mettre des photos vraiment pour m'aider, des pièces jointes. On peut même créer des étiquettes. Puis ça, je vais vous le montrer tantôt, là, vite, vite, vite. Fait que moi, j'ai mis mes tâches. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux déplacer. Parce que ici, moi, là, mon suivi, c'est un tableau de suivi. J'ai plein d'affaires à suivre, OK? Des tracking, des choses à visualiser. Fait qu'à tous les jours, je le déplace. Pourquoi j'ai mis une fleur? Parce que je sais qu'il faut que je le déplace.
Le rouge, l'alerte en rouge, non, je ne le bouge pas, je le laisse toujours là. Les lundis, il y a tout le temps le Power Hour, il y a tout le temps le TAM, il y a tout le temps le cours à chaque lundi pour moi. Fait que ça ne bouge pas, mais mon suivi, là, je le fais à tous les jours. Fait que je n'ai pas besoin de réécrire ma liste. Tu sais, là, je sauve du temps, mais je le vois visuel, je le sais ce que j'ai à faire, donc c'est très, très pratique. Donc là, je vais retourner à ma liste de vendredi pour le mettre là, pour ne pas me mêler, OK? Qu'est-ce d'autre qui est très pratique? Fait que tu peux mettre la couleur que tu veux. Moi, j'aime ça parce qu'une fois de temps en temps, je change la couleur. Ça me permet de mettre de la vie là-dedans, là. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas ça que je m'attarde dessus, là, mais juste pour vous montrer. Fait que ici, j'ai les favoris. J'ai tout mis mes tableaux en favoris. Fait que maintenant, je suis dans mon agenda puis j'ai besoin d'aller voir dans mes notes. Ah, j'ai un cahier de notes aussi. Tadam! Change de place. Fait que là, j'ai plein d'affaires. J'ai même mon party Facebook qui est tout détaillé ici. Mon cahier de notes de party Facebook qui est tout détaillé là. OK? Mes suivis de produits de clients qui me demandent est-ce que l'autocuiseur, quand il va venir en promo, veux-tu me contacter? Bien, j'ai même mis ça là en note. Des recettes, c'est ce qui me manque à modifier. Ma rétroaction de planification. Chaque début de mois, je fais une rétroaction sur mon mois passé. Je fais mon plan d'action sur le mois qui s'en vient. Fait que vraiment, ça m'aide. Toutes les actions payantes que je peux faire. Fait que je ne me pose jamais de questions. Là, je cherche quelque chose, il est là. Tous les groupes Facebook, les liens des groupes Facebook sont là. Tous les liens des Zooms, je les ai mis là. Je n'ai pas besoin de les réécrire. Moi, c'est mon cahier de notes virtuel. OK? J'ai mis ça là. Après ça, qu'est-ce qui est le fun? C'est que tu peux partager tes tableaux de tâches. Hey, moi, j'ai une adjointe maintenant. C'est tout nouveau. J'ai une deuxième adjointe. J'ai pas juste Isabelle qui m'aide pour les reconnaissances et les présences. C'est tout nouveau, là. Fait que je sais que je vais pouvoir encore plus développer mon cours des ventes avec Kim. Kim, qui est ma nouvelle adjointe pour ce qui est de mes ventes. Fait que ça va m'aider. Puis là, ben, on a un tableau qu'on partage ensemble, qu'elle a accès. Donc, pour garder le privé de Kim. J'ai montré vite, mais c'est toutes des tâches que, admettons, que Kim me demande. Bon, Hélène, j'ai terminé ça. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour t'aider? Bien, moi, je vais y ajouter une tâche. Je peux aller dans mon ordi, lui ajouter sur mon cell. Même chose pour Sandra qui m'aide pour les bingos. Il y a plein de possibilités avec Trello, mais sérieusement, la partie où ce que tu veux avoir Trello, là, attache ta tuque, je la gardais pour la fin. C'est le CRM. Qu'est-ce que le CRM? Dans notre entreprise, un CRM, on appelle ça un Customer Relationship Management. Ça, là, c'est un suivi de relations clients. Donc, quand il n'y a pas de suivi qui est fait, admettons que tu invites ton monde à soirée mode de vie, mais que tu ne fais pas de suivi, il ne se passera rien. Ça te permet d'être efficace dans tes suivis. Moi, ça a vraiment changé ma vie. J'ai eu beaucoup de recrues. J'ai eu beaucoup de gens à gérer. Et jusqu'à présent, toutes mes recrues de mars sont à jour. Pourquoi? Ils ont toutes eu un suivi pour finaliser la recrue, pour s'assurer que la personne est à jour sur tout. Après ça, j'ai ma catégorie leaders. Parce que plus mon équipe grandit, plus on est déjà. Donc, je veux m'assurer que tout le monde est là. J'ai même des clients à l'international. Oui, oui. Si tu veux savoir comment faire, c'est simple. Tu leur offres de vendre les produits, puis ils peuvent payer les frais d'envoi par Post Canada. Puis, pour plus de détails, ben écris-moi là-dessus. Mais sinon, j'ai tous mes clients, mes abonnés qui sont ici, que j'ai triés en ordre alphabétique. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Puis ce qui est le fun, c'est que même que, exemple, le mois de mars soit terminé, je peux aller me créer une liste, une nouvelle liste, ajouter une liste, puis je vais écrire « Allô! » Mettons, OK? Puis je vais aller la mettre ici, je peux la déplacer. Fait que là, j'ai écrit « Allô », mais dans le fond, je voulais écrire mars-avril 2022 parce que je sais que je vais avoir des recrues au mois d'avril. Donc, ça me permet de visualiser à l'avance, de dire, OK, qui va être ma première recrue en avril? Puis quand, admettons que ma nouvelle recrue s'appellerait Josée, la vigueur, OK?
Belle visualisation. Fait que là, je pourrais aller après ça, puis ouvrir sa carte d'affaires. C'est comme sa carte d'information. Puis là, tu sais, quand on reçoit une nouvelle recrue, là, ben, il nous envoie tout le temps ces informations. Ben, moi, je vais copier dans le courriel, puis je vais le coller là-dedans, ces informations. Fait que j'ai toujours accès à son courriel, à son email, c'est la même affaire, à son numéro de téléphone. Bref, j'ai tout ça. Mais ce qui est le fun, c'est des étiquettes. Je peux l'étiqueter. Je peux l'étiqueter parce que je veux la dater. Parce que je veux. C'est quelqu'un qui était dans mon groupe VIP. Parce que je veux l'inviter. Parce que c'est urgent, il faut que je la contacte là, parce que le mois termine là, puis j'ai besoin de la contacter là. Là, quand je n'ai plus besoin de l'étiquette, je peux juste aller recliquer puis les enlever. Là, tu vas te dire, voyons, comment tu as fait pour comprendre Trello? Je vais te dire ça en terminant. Ma petite formation, va sur YouTube, écoute, ou plutôt écris, comment fonctionne Trello. En 15 minutes, tu vas comprendre. C'est vraiment pas compliqué. Ça a l'air compliqué, là, mais sérieusement, ouvre un compte Trello, va sur YouTube, écris comment fonctionne Trello, et voilà, ta vie va changer. Merci d'avoir écouté, et si tu as des questions sur Trello, je ne dois pas m'envoyer un messenger. À bientôt!